handicap vont pas forcément suivre le convoi. Ah, oui, c'est ce que je pensais, qu'il y avait un pick-up qui reste derrière jusqu'à que le convoi le passe, puis un autre qui part en avance, puis après il... Oui, monsieur le problème, la personne qui s'occupait justement de réaliser ce convoi a remarqué que certains véhicules n'étaient pas aptes pour les terrains boueux, hein, donc il faut absolument passer par la nationale. Ça permettra aussi de manger. Ça c'est des gras de papier, ça, ils ont peur. Ah, vous savez, moi je respecte les règles, je ne veux pas que monsieur Ducreux se fasse abîmer les véhicules. Hein. Le BTR, on les enlise dans les marais, ils ressortent. Oui, bon, le BTR, forcément, oui, le BTR est équipé pour. Du coup, t'es un qui est bruyant dans sa voix. Ouais, je crois qu'il y en a un qui regarde la Ligue des Champions. Ouais, désolé, c'est moi. Le truc est. C'est réglé. Point noir, barrage. Là, je fais un petit. Retour QG. Ouais, pour tout le monde. Elle sauf patrouille de Pequeno. Comment il écrit son nom, Pequeno là? Non, il marque du brésilien, ce sera plus simple. Les arrêts, c'est pourquoi? Les arrêts, c'est si le convoi perd le chemin ou si les personnes qui sont dans le barrage 2 par exemple n'ont pas encore réussi à venir à temps au barrage 1. Ou barrage 4, etc. On fait des arrêts pour attendre le convoi en fait et les personnes nécessitantes. Par contre, est-ce que c'est possible de me donner la radio que vous allez vous servir pour le convoi éventuellement? On se met sur la 1 de base. Canal 1, ouais. On se met sur la 1. Sur la 1. Bien là. Le canal 1 ou la radio 1? Le canal 1. Canal 1 de la radio. Change pas. Même pas que c'était possible. Oui, ça marche pas ça. On passe dans Telos. Pourtant Telos c'est obscur comme non, on passe pas dans Telos hein. Mais non, on longe. Tiens. On passe pas dans Telos. On passe pas dans Telos hein. Ah, d'ailleurs, il y a un pingouin qui vient tirer à Telos. Comme d'hab. Il y a toujours des pingouins sur cette île. Ouais, j'ai bien chassé les pingouins. Je crois qu'ils ont fait peur à une petite vieille à côté. Elle vient nous appeler, nous dire voilà, les points sont mis, de toute façon les gens sont censés être au courant. Ouais, t'inquiète, je vais tout faire. Donc là, ça c'est fait, on attend le retour QG, on va commencer. Coup, les ordres de tir, dès qu'il y en a un qui s'incruste dans le convoi, on le dégage. Oh là là, oui, ça c'est très sévère ça, faut pas brûler les camions. Ouais, donc dès qu'il y en a un qui s'approche, qui rentre dans le convoi, on l'asmate. Le nom des camions, quoi le nom des camions? Les deux camions qu'on a chargés, c'est quoi les noms déjà? UAZ, non, je crois un truc comme les ça. Gaz, les gaz. Il y a des gens qui sont vraiment peu nombreux, hein, ça va être suffisant. On voit la dernière équipe, il va nous le falloir. Hein. Ça va être on sera combien? On est que 7, hein. C'est chaud. Ouais, on est 6. On a pris Gaillot, je veux dire. Ça sera pas suffisant. Faut pas que je trouve comment il s'appelle, parce que j'ai vu le PKI, mais je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça. On prend quoi comme véhicule? Stanislav, tu peux la conduire, tu voudrais un véhicule par exemple? Par exemple. Je vais bien faire. J'en sais rien, oui, désolé. Ouais, le Zama, quand on s'en a traîné, ça. J'aime pas quand ça traîne. Hein. De toute façon, oui, il va y avoir besoin de conducteur, par contre, j'ai vraiment toujours besoin d'une personne qui peut gérer les opérations de sécurisation de convoi. Moi, je veux bien conduire un camion s'il faut. Et c'est pas monsieur Stroll qui voulait faire ça, justement. Oh, t'inquiète, on gère. D'accord, il y a reçu. Comment j'ai cassé? C'est pas grave, je vous juge pas, mais. Vous allez le conduire, là. Hashtag en ligne, s'il vous plaît, là. Hashtag. Bah, si vous voulez, comme je vous disais, j'ai conduit un BTR. Pas de faute d'orthographe, là. Vous avez toutes les clés, de toute façon, je vous laisse voir. Moi, je prenais pas de le convoi, vous vous démerdez, je sais pas qui fait quoi. C'est pas mon métier, je sais pas D'accord. Il fera pas gaffe de toute façon. Par contre, Stanislav, étant donné qu'ils vont faire le dispatch, tu peux. En général, vous n'avez pas besoin de vous mettre en ligne. Ils vont bientôt. Je vais vous dire magique. Vous devez tous les bouger. Il y en a qui. 1, 2, 3, 4, 5. Je veux dire qu'on va y arriver. 8. Je pense qu'il s'est mieux tiré que vous, c'est vrai. 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est 13. 13 de haut gradé. C'est qui le mec derrière qu'il faut buter, général, s'il vous plaît? Ah, et parce qu'il a insulté monsieur Marek, j'entends. Ah, Alexis, comment ça va? Alexis Rucci. Quand ils arrivent, je peux fumer une clope, tiens. Oh putain, mais. Ouais, faut qu'il se soigne un peu, mais.
pas vous faire, moi je vais fumer une clope. Horrible mon gars, à tout de suite. Bon cancer. Alors il va me falloir deux personnes tu sens dans une douche-ca, deux personnes dans le BTR, ça fait quatre. On a qui là? Est-ce qu'on met une équipe hélico? Je pense pas qu'on sera assez, on verra après. Xavier Gonzalez, tac tac tac. On a deux élites, on a deux pilotes. Ce serait peut-être plus judicieux d'en mettre un quand on reste quand même avec du TLS. Oh, quoi que. Ça va être tendu un hélico, non? Bah, c'est pour ça, s'il y a. Ah. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein. S'il y a pas, on a combien de véhicules? T'es en train de prendre une photo d'alien, monsieur Swan. Vous avez tout caché, bordel. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prendre une photo avec votre gros tube dans le dos, ouais. Ouais, c'est un tube à coup unique. Ne bougez pas. Ah, mais si, on fait un vif du creux. On fait un vif du creux dans 3 secondes. Non, mais monsieur Sloan, regardez les miniciens. Je prends une photo aérienne. Ok, 3, 2, 1. Vif du creux. Vif du creux. Oh, c'est très beau, ça. C'est magnifique. Merci beaucoup. Très, très beau. On a 7 véhicules. Putain, on est vraiment pas nombreux. 6 véhicules déjà pour le convoi, plus au moins 3 pick-up. Sachant que nous on prend les pick-up, je suis même pas sûr qu'on mettra. Ousmanov. C'est moi. On a reçu des menaces tout à l'heure. Ah, on parlera de ça plus tard. Vous savez pas les gars de la sécurité, Ousmanov? Comment je pourrais un petit racket ou un truc comme ça? Je pourrais. Ouais, je suis là quand même toujours. Je voulais prendre des employés peut-être. On leur met des pistolets à billes et ils se mettent autour. Ouais, je vais essayer de voir, je vais la faire prendre le métro parce qu'il est quelle heure là? J'arrive. Pas encore, toi. Tu vas faire quoi là? J'ai pas compris. Chercher de la chair à canon. Faire. C'est pas très sympathique tout ça, hein. Je pense que la Lada elle est trop. C'est qui le bus qui est à côté là, le civil? Ouais. Lada. Non, c'est son côté. Est-ce que je vais le buter? Ouais. C'est un petit pute. C'est mieux les filles. Hein beaucoup. Bah, on sera pas assez nombreux, non? C'est une tête de mort, ça. Si. Je veux dire, il va falloir. Il y a tout ce qu'il faut pour se défendre là. Non, vous tirez tout sur le BTR, à l'habitude du BTR là. À la limite, on tirera au BTR. Qui a l'habitude du BTR là? Moi, mais j'ai pas envie. Pour conduire, oui, mais pas pour tirer. C'est notre ami Marek, il a une AK dans le CK2, vous inquiétez. Bon, Marek, tu vas aller. Marek, tu gères le BTR. Avec. C'est qui le conduit là, du coup? Mathieu. Ok, donc Mathieu. Attendez. Mathieu et. Plus Marek au BTR. Et les clés. Je vais te les passer. Voilà, Mathieu a les clés. Il nous reste qui? De toute façon, messieurs, si vous manque des clés, j'ai les clés de tous les véhicules. Xavier Jarod, vous allez prendre des. Merde, des c'est pas ça, c'est celui-là. Voilà. D'accord, bien reçu. On va le dire à Jarod, il est pas. Bien reçu, ouais, Michael. Il nous reste quoi d'autre? Là, on s'en bat les couilles. SUV Gouv, Strider, Douchka. Y'a que Link s'est tiré bien la Douchka? D'accord. Je vais prendre la Douchka. Quelqu'un veut piloter la Douchka? Ouais, vas-y, je le fais, Tom. Ok, ouais, j'ai l'habitude. Merde, quand même. Je cherche le Mika. 1, 2, ok. Il nous reste quoi comme véhicule? Trader. Général. Le SUV gouvernemental, il y a monsieur Ousmanov dedans, c'est ça? Oui. Et vous êtes avec eux, vous serez tous les deux? Non, ça reste tous les deux. Donc je vais mettre Caro dans le. Il y a combien de personnes là que j'ai pas.
Ouais, j'ai pas cité des gens comme ça, hein. Ouais, peut-être, j'étais pas là. Marik, Mad, Zerak. Marik, Mad, Zerak. Comme ça, ça a l'air plus. T'es dans un camion, toi. Almaric. Ah, tu vas dans un camion. Almaric. C'est comme la sauce, c'est quelqu'un, ça. Nathan, ouais Nathan, à la milice. Mais non, pique. T'as pu le voir. Ouais, non, non. Comme tu peux le voir, comme tu peux le voir, Nathan. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau maintenant, avec le temps? On a un pick-up sûr, est-ce qu'on en met un deuxième? On vire là-dedans. Oui, qui suit un drapion. Do. Merci. Non, merci. Moi je suis docteur, on s'est vu tantôt. Ah oui, mais à part ça, enfin, tu fais ça tout le temps, plein temps. Oui, j'ai vu que t'étais. Bon, bah j'espère que vous avez fait plein de munitions, plein de lacrymo. Le plan de vie. Et votre œil magique qui est encore fait des ravages. Appelez vos parents, si, tout ça, puis claro. Vous allez pas vous en sortir, oui. Ah, voilà. Donc, changement claro. De garde, on a perdu Villard. Tu veux t'es pas beaucoup. Ouais, on j'ai un peu des problèmes de vieux, ça a l'air d'être chaud pour moi de conduire aujourd'hui, je crois. Bonjour, ouais, on verra. Bonjour. Conduire quoi, moi, un camion? On met une équipe. Il y a moyen de mettre une équipe aérienne, hein. Ah, bah, il y a le général Parvel qui est là en plus. Qui a dégagé là. De type disparition. C'est pas grave, mais très bizarre hein, d'ailleurs. Bon. On va attendre les trois et Karel qui vient d'arriver. On peut conduire quel camion en fait? Parce que. Absence là. Cube jaune, hop. T'as des camions, il y en a qui tu conduis là. Bien, bonjour, messieurs. Ok. Vive du creux. Vive du creux, oui. 8, 9, 10, 11, 12. Il y a aussi monsieur Gonzalez qui arrive. Ouais, on a Gonzalez qui devrait pas tarder à arriver. Ah, mon frère. Bon, bah, vous savez quoi, on va aller. Bah, oui, c'est quelque chose de merde. On est pas encore pour votre entreprise. Ouais, je pense. Un couvert qui parle à l'heure. Par contre, tu parles toujours comme une machine comme une. Non, 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 non. C'est pas une autre façon. Il y a plus l'accent espagnol. Il parle comme ça et tout, tu vois. Alors qu'Edouard, je ne comprends pas, mais il parle comme ça. Il y a une petite différence entre l'un et l'autre. Hey, maintenant tu vas me faire rattraper ça. Mais voilà, moi, il parle comme ça, c'est un accent espagnol. Tu ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Bonjour, ok, responsable de sécurité. Non, je rejoins. Le métier dans le simulation militaire. Exactement. Qui vient d'accrocher aussi. Pour ramener Gonzalez ici. Ouais, son âge, oui, pas trop. Vous avez dépassé gaz, en fait, monsieur. Pourquoi il est pas là? Il va arriver. Je pense qu'il va arriver à tirer. Non, je lui. Tom, je l'ai prévenu, moi. Je l'ai prévenu sur le satellite. Boum. Dites-moi, il est où Miller là? On avance. Ici, il a eu une mort subite du. Putain, bordel, il a conduit le BTL. Mais c'est pas grave. Mais d'où cette truc? Hola, hermano. Comment c'est gars? Il est pas encore là. Hermano, il fait du moonwalk là. Ouais, t'es très très bizarre. Ok. Ah, celui-là. Il y a la gendarmerie. La gendarmerie, il a osé dire ça, bordel. Ah, putain de merde. Laisse tourner aujourd'hui, Didier. Ça, c'est le président, ça, je crois. Ouais. Sa délégation bon, est son odeur d'ici. Après, si tu peux abattre 20 terroristes à lui tout seul, bon. Ouais, qu'il n'y a pas de problème. Hola, hermano, que tal? Coucou, Javier, ça va? Ça va et toi? Oh, vos gueules, les espagnols. Pardon, c'est moi là-haut. Oui. Toujours, c'est super. Bon, on a 7 véhicules dans le convoi. Qu'est-ce que tu fais, Toujours, c'est toi? Par d'autres personnes que la milice, il nous reste 5 véhicules. Si. Que tal? Bien. Ici. Ah, d'accord. Ah, si, bene. Ouais. Tiens, Il parle de l'italien. Il
Voilà, voilà, j'ai des gros tests, t'allais venir ou pas. Ah, si, vive du creux. Bonjour. Voilà la tête, je savais pas si t'allais venir. Bonjour, monsieur. Mais, si, si, hein. Je me disais, merde, Mierman, on venait à qui? Il y a un truc ici, là. Pourquoi il y a un trou? Gonzalez. Ah, comment ça se fait qu'il y a un trou? C'est bizarre, hein? Je sais pas, c'est bizarre. Et qu'il y en ait qui se mettent à croupir, et monsieur Ducreux. Je pense que c'est moi. Au pire, tous les miliciens croupis, et monsieur Ducreux, ils se mettent derrière. Et enfin, les membres du gouvernement, ils se mettent derrière. Je pense que c'est de ma faute. Quand je suis venu te parler. C'est pas la fashion week non plus. Oui, allez, on prend la photo rapidement. Tu sais, je te nomme la vieille. Oh putain, il faut se mettre à croupir, monsieur Ducreux. Et derrière, mais tu sais qu'il me passe devant là-haut. Je... Il te passe quoi là? Mais non, c'est pas qui. Mais non, non, un peu de discipline, messieurs. Venez, monsieur Carvel. Un peu gagné à fond. Pas drôle, les gars, vous êtes pas drôle. Ouais, ouais, c'est l'avant-dernier milicien, il a des grosses fesses. Les masques à gaz là, on les retire. Vas-y, je peux pas. Très bien, est-ce que vous êtes. Dès que je dis vive du creux, vous faites tous vive du creux, d'accord? On est aussi, hein. Merde. Ah ouais, bon, Babel Torse, là, regarde pas ses pieds. Ok. Vous êtes prêts, messieurs? Ouais. 3, 2, 1, vive du creux! Vive du creux! Vive du creux! Parfait, parfait. Merci beaucoup. Vous êtes quoi? 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 Vous me l'enverrez. Il n'est pas le permis pour l'or, mais c'est pas grave. Il faut pas le tirer, ça. Quand on conduisait un camionnette avec melon en Espagne, ça allait. Il y a des petits melons, c'est vrai. Ah oui, tout à fait, oui. Ça se voit de toute façon à votre charisme et à votre charisme. Ah, ça va, ça va. Attends, j'ai commencé à croire que vous me draguiez. Ah oui, vous non, vous savez. On a zéro. Là, on a 7 véhicules escortés. Il y en a 2 qui sont. T'inquiète, vers la gauche. Des employés de monsieur Osmanov. Donc il nous reste 5 véhicules à conduire, on a un BTR, une Dushka, un Strider, un hélicoptère, une Lada. Voilà, en fait on a 4 véhicules, suivez-vous, vous les gérez aussi. Oui non, il y a véhicules, le véhicule, il ne faites pas. Hein. Bon du coup Jarod il peut pas conduire, du coup Zerak je te mets en pilote d'avion. Ok. Zerak tu prends l'hélico avec Adam. Adam, tu te mets en spot, c'est toi qui parles à la radio. Ok. Ensuite, la Michael, c'est bon oui. Ou pas tes problèmes de. Ça a pas l'air de se régler donc je sais pas. Ça risque d'être chaud pour moi de conduire. Elle est pas là, Mackenzie. Putain, elle est toujours là. Non, ouais, non. La folle n'est pas là ce soir. Il peut vachement avoir une utilité, il est pas là. Ouais. Une patrouille. Oh, mais mettez des gens dans les véhicules ou regarde. Oui, c'est okay. Pas faux ça. Allez dans les véhicules, là, ceux qui ont leur véhicule attribué. Putain, ouais, je sais pas qui va donner. Xavier, reviens ici. D'accord, on m'avait dit véhicule là. Oui, mais on a dit que ça avait changé, écoute un peu. Ce qu'on voit va très bien se passer, monsieur. Oui. Il y a toujours un quota de cotonnette. Hein. Les deux là qui devaient être dans l'hélico, prof, vous y êtes toujours pas. On vous a dit de monter dans les véhicules. Allez, allez, on se dépêche là. Mais c'est sûr qu'il faut aller dans les véhicules. Sloane, si vous voulez, madame, technique, prenez votre arme et vous leur mettez des coups de. Ah, c'est bon, il est parti. Oui, oui pardon, messieurs, permettez-moi de vous couper, messieurs, tous les véhicules doivent rester ouverts pendant le convoi, hein, par mesure de sécurité. Hein. Les véhicules doivent rester ouverts. Hein. Voilà. Okay. Donc, on m'arrête Mathieu dans le BTR. On va se faire violer les fesses. Arrête Mathieu dans le BTR, allez. Pourquoi il y a déjà des trucs. Un chauffeur par véhicule. Ah, bah, si on se fait, j'ai qu'à mettre un chauffeur par véhicule et puis on fermera le convoi avec un camion avec le reste dedans. Ouais, on peut faire ça aussi. Pour protéger le convoi. Eh, je sais pas, monsieur Osmanov voulait un. Genre dans le 4x4 là. Ou un pick-up, on s'en fout. Bah, enfin, on verra ce qui reste comme milicien, mais t'es en déjà à part véhicule. N'importe lesquels. César et Andrew, vous allez dans la Lada. Et bien, le site. Par contre, vous les mettez deux par véhicule. Ouais, ouais, c'est mieux, il faut que ça soit pas. Un bon là. Oh,
malade. Tout seul, oui. Il n'y a plus la Lada, en plus, vous m'avez manqué. Elle n'est plus la Lada. La Douchka, j'y vais avec Mickaël. Vous êtes toujours aussi belle. Vas-y, Mickaël, va dans Douchka. Je conduis ou je tire? Monsieur, va comme tu veux, vas-y, on verra. Monsieur Schaeffer et Monsieur Kuda, venez me voir là. Et qui est lui, là, le blond? Regarde avec tes yeux magiques. Stephen. Bon, vous savez comment ça va. Il reste quoi comme véhicule là-bas? Ah, apparemment. On a rempli le pick-up avec généraux dans le Strider. Vous voulez pas prendre un sergent? Sergent, on a rempli le pick-up de sac de sable et toute barrière, plein de trucs comme ça. Et après, vous trois là, vous faites une patrouille en. C'est joué, cool. Je m'en bats les couilles, frère, tu vois. Pick-up, pick-up. Et après, vous, d'accord. Plus important. Ouais. Et Jarod, je sais pas qui, et Stephen, vous prenez un autre. Vous avez les gars? Ouais, bah on l'a rempli et tout, regardez dans l'inventaire. Véhicule, on a mis plein de. Il y a des personnes qui ont la GoPro, il y a des miliciens qui ont la GoPro, messieurs. Négatif. Affirmatif. Ça serait bien de filmer de A à Z et de me l'envoyer, par la... je vous l'achèterai. Hein, oui, la d'accord. C'est super, merci. Ah, et c'est toi, tout de suite. Ouais, du coup, ouais, la personne à la GoPro, ça serait bien que vous restiez en vie. Je promets rien. Top. L'Invertel, Almaric. Almaric. Top. Quelqu'un conduit ou... Faut que je reste en vie, hein. C'est... je promets rien. Pourquoi tu veux pas conduire? En fait, je suis pas doué pour conduire en fait. Ah, faut que je peux conduire s'il faut. Non, non, t'inquiète, je vais faire. C'est qui le deuxième? Eh oh. Ah si, Javier González. Pardon, je suis en train de régler la GoPro justement. Ouais, n'hésitez surtout pas à balancer un bal de lacrymo pour couvrir. Jetez-la à vos pieds, jetez-les partout, histoire de mettre un putain d'écran de fumée quand on se fera tirer dessus. Et je croyais que le convoi allait bien se passer, général. Stéphane. Ah non, non, on va se faire violer. Ouais, je suis avec qui, moi, en fait? Allez, avec moi. N'écoutez pas le général Leblon, il a tendance à extra-plonger. Le convoi va très bien se passer, vous inquiétez pas, bordel. Ah, on tire tout ce qui bouge, hein. Allez, y'a personne dans le transporteur, bordel, messieurs, là. J'ai mis deux généraux dans le Strider. Ouais, moi aussi je vais y aller dans Strider. Bah, vous êtes général? Vous êtes où, président? Que je monte avec vous. Le président, il est au shop là encore. Ouais, d'accord, on a le premier véhicule gouvernemental, mais on va peut-être pas se mettre premier finalement. Vous êtes sûr que c'est le mené que le BTR soit premier aussi? Non, le convoi va pouvoir. J'ai dit, hein, messieurs, faites, il y a une personne qui s'occupe de ça. Moi j'ai sorti les véhicules, ouais, c'est mais... votre métier, hein, c'est votre boulot, bordel. Hein. On met le BTR en premier, vous risquez rien dedans. Au pire, le BTR en premier. Hein. Non, il y a les généraux dedans. Vous savez tirer ou pas les deux derniers? Oh, c'est pas grave. Le Strider, mettez-le au milieu, le Strider, ouais. Il peut faire un écran de fumée qui protège un peu tout le monde. Nickel. Silence radio. Faut plus le mettre sur la fin parce qu'il jette assez loin. Ouais, voilà. Enfin, mettez-le pour que la fumée elle puisse servir au convoi, quoi. Par contre, les gars, elle est où la deuxième équipe en pick-up là? Ok, ça mange rien d'île. Allez, bon, on est là. Donc, les mecs, vous avez entendu, hein, si vous vous faites tirer dessus et qu'il n'y a pas de véhicule immobilisé, vous continuez, vous arrêtez pas. À nous derrière, ça va être chaud, hein. Vous pouvez tirer depuis les véhicules si vous pouvez, mais voilà. On va rester et comme ça, si jamais il y a un véhicule qui est immobilisé, par contre, on le laisse pas, on s'arrête tous. Et quand on s'arrête à 50 mètres chacun les uns des autres, à gauche, à droite, à gauche, à droite, etc. Ok, et on sort des véhicules. Distance de sécurité, les gars. Ouais, en général, il y a Alfie qui part pas, partez pas, attendez. Non, attends, je vais m'en répéter là. Oui. Il y a Alfie qui quoi? Qui arrive. Ah, cool. Et roulez tranquillou. Faut que vous rouliez tranquille pour avoir une marge d'accélération si vous faites tirer dessus, et vu que le BTR est à 80, vous voyez ce que je veux dire. Pick-up, il y a la marche. Pour les pick-up, les points noirs, vous allez aller dessus et vous êtes devant nous. Vous faites des barrages là-bas, vous surveillez la zone, c'est des points de check. Je m'occupe des points de la radio. C'est bien compris ou pas? Ah, oui. Ouais. Bah, sergent, vous voulez qu'on y aille maintenant pour le numéro 1? Vas-y. Sinon, si on débarque pas, on n'arrivera jamais à partir. Monsieur Karl, on peut vous faire prendre le métro Alphi, s'il vous plaît? Ouais, j'emmène. Ouais. Attends,
1. Sur le canal 1 ou le barrage? Non, sur le barrage 1. On va mettre une couleur pour toi. Bah, mets Alfie dans la douche, quand même. On va mettre des coups jaunes. Faire un barrage. Tu veux mettre mon passager dans la douche, quand même? Non, non, Alfie va conduire la douche. Sur le barrage, hein. Tu es ton passager, toi? Ou je te mets dans la pick-up alors? Ah, je vais aller dans le Strider. Sergent, on vous attend quand même avec le pick-up, non? Oui, oui, vous allez au premier point de passage et vous attendez une fois qu'on est passé. Vous repassez devant. Et vous allez au deuxième point de passage. Je vous dirai quand vous allez au deuxième point de passage et vous doublez le convoi. Charles, on est sur pour partir. Pardon. Vitesse idéale du convoi, c'est environ 60 km/h. On pourra accélérer un peu si jamais. Oui, ça fait mal à la tête, okay. Une surprise. Hein. Ah, c'était proche, c'était les avales d'un coup. Hein. N'oubliez pas de filmer, hein, bordel. Si, il y a film, mais je suis dans petit 4x4. Hein. C'est terrain devant. Ça va être pas mal de plus filmer comme ça, on va voir tous les véhicules passer et tout, ça peut le tirer. Si, si, si. On fait un pas. Qui passe à la gauche là. Et ton véhicule prêt à partir au cas où. Attendez un participant. Ton véhicule prêt à partir dans le garage. Attends. Voilà, ouais. C'est bon. Les gars, on bloque. Sur la même. Sur le canal 1, c'est tout. Le canal 1, c'est tout. Et autre bordel de flotte sur la radio. Maintenant, à partir. On attend Alfie. Alfie monte en conducteur de Sky et on y va. À partir du moment où on part, Marie, tu gères les opérations. Ah bon? Donc si vous écoutez ce que Marie vous dit. Gérald, vous pouvez vous occuper de Alfie. Faut laisser un passage ou pas? On ferme tout là, hein. On laisse petit passage pour nous marcher, non? Je sais pas. Ah, je pense, hein. Attends, mais ils font un double barrage là, ils font quoi? Les gars, à savoir, dès qu'ils passent, on les recolle et on passe au deuxième point de passage. Ah si. Ça serait pas mal que vous alliez direct au 2 et que vous passiez le 2 et que nous, après, comme ça, on recolle dès que tout le monde est passé. Bah, il a dit, non, mais il a dit, vous allez au 1 et je vous dis quand vous allez au 2. Écoute, Marc demande de vous arrêter, vous arrêtez quand. Il a dit que dès qu'il passe, on doit repasser devant et aller au barrage. Si vous voulez la fermer sur la radio, dès qu'il passe. On va au ouais, si c'est bon. Tu peux mettre tout le monde le... Ah si, si. Ouais, mais en avant. Bah, comment vous avez dit quoi? Vous regardez la route. Allez, c'est parti. Nous, on est tous en jaune, hein, si vous voulez. Écoutez. Attention. La route. Merci. Regarde la route, Stéphane, d'accord? La route. Parce que tu peux y aller, bien par terre. Ah, quand on roule. Oui, ça va plus, il va changer de route. Ouais, je reste à l'arrière avec vous, avec le suivant. T'as une inverse ou pas? Si, il y a la main où? Ouais, tu pourrais la mettre de l'autre côté peut-être. Donde? Juste en face là. Vas-y, dis-moi. En suivant le truc là. Tu fais en sorte de la mettre ici, là, que ça gêne un peu là. D'accord. Là où je suis. T'as pas oublié de la reprendre. Ah, bien sûr, c'est le. T'as la place, tu vas pas reprendre. Ils peuvent canarder si jamais. Zakar, tu peux faire un premier passage sur le principal, voir s'il y a du monde. En train de faire un ban de préférence. Général, c'est quoi les ordres de tir? On déclenche tout ce qui s'approche du convoi. On a un véhicule au niveau du premier barrage. Reçu. Les patrouilles qui sont à l'avant, vous faites partir les véhicules et si jamais ils s'approchent du convoi, on les désingue. Ok, des personnes cagoulées. On vous désinguer. Je suis désingue. Non, mais ils sont arrêtés, ils ont pas l'air agressifs. S'ils sont pas agressifs, tu les dégages. Et après, s'ils restent quand même, bah tu fais de la sommasse et après la sommasse dans la tête. Ça, vous savez faire, si vous tirez dessus, vous tirez. Laisse passer un peu plus les véhicules. Oh,
je suis là. Bien joué les gars. Du coup vous repassez devant et vous checkez un peu la zone et vous surveillez le point d'après. Faites surtout très attention aux IED sur le bord des routes ou aux mines. Dès que ça a la forme d'une boîte blanche ou d'un obus enterré, c'est qu'il y a une mine ou sur le côté sera une petite sacoche verte. Item pour les herses. On a perdu un milicien là, attendez. Hop, je suis sur le bas côté. Ouais, attends, il y en a qui se fait écraser. Allez, votre. Oui. Ouais, c'est normal que je vois pas comment sérieux quoi. Là. Et il court sur la route comme ça sans regarder. Rien fait. Bon, vous lui laissez parce que là, on y va. Non, non, c'est énorme, putain. Pour vous, on fait très bien. En bas, vite, 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 parce que si on n'y est pas avant eux, ils vont péter un câble. J'ai vite écrasé quelqu'un d'autre. Zakar, tu peux passer sur les collines sur la droite du BTR s'il te plaît. Non mais on reprenait les sacs, du coup je pense à comporter. C'est pas grave. C'est Adam, c'est ça. Ah ouais, c'est Matt qui... c'est Adam qui dort. Non, c'est Almarie qui dort. Non, 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 non. Bah, du coup, le convoi va un peu trop vite, hein, messieurs, il va falloir ralentir la cadence. Bah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça y est. Il faut reprendre là. Récupère vite la barrière et tout. Y'a la herse. Laisse baser la voiture. Ah, il faut tracer là les gars, allez hop hop hop. Ouais, mais y'avait la herse aussi hein. Le combat va trop vite messieurs, ralentissez s'il vous plaît. Je sais pas, Nathan. Ils m'ont cassé les couilles les autres là. Y'a encore un pick-up derrière aussi. Le SUV est chez nous, le pick-up, pas vraiment. Ah, je suis désolé, hein. C'est les collègues là, ils ont repris les sacs, ils ont directement tracé. Ils n'avaient pas enlevé le barrage, ils ont déjà parti. Mais c'est ça quoi. Et c'était déjà fond de balle, donc désolé. Pick-up, on est là. Allez, roule, 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 nous on doit aller devant là. Allez, hop, hop, hop. Attends, je regarde juste, je mets un point. Mais... Allez. Sur le GPS, sinon ça met 3 heures. Ça suit la route, on suit la route jusqu'à la Zug. Zerak, ça se passe bien. Il y a petit GPS, hein. GPS à droite. Serré à droite, regarde. Mets un point s'il te plaît. Attention BTR, on passe le virage avant vous. Comme ça vous allez vérifier le point où il y a le pick-up. Il sort à gauche, on sait jamais. Pick-up à gauche. Le point pick-up il est à gauche. Bon, ça m'a rassuré. Oui. À gauche. Il n'y a pas la pick-up. Ah, tu écoutes pas le mari. Si, j'écoute, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'un ouais. Pick-up à gauche. Ils nous ont demandé d'aller vérifier le pick-up. Ok. Ah bah là c'est trop tard. Hein. Si, pero trop tard. Hein. Moi je peux même pas conduire là, j'ai genre 3 clignements de yeux quoi. Mais tu veux qu'on aille voir là maintenant ou pas? Ah oui. Ok, il est où? Chaque véhicule, vous checkez les maisons hein, encore. Comme vous voyez, regardez bien la maison. Et moi je suis pareil. Oui, y'a une halte là. Explosion, c'est parti. Continue. Continue. Un véhicule de PD pour nous aussi. Deuxième explosion, la station service va s'engager. Tire à vue. On engage. Ouais, engagez, messieurs. Direction des tirs, s'il vous plaît. On va faire demi-tour. Je prends des bases dans le pick-up. On continue le combat. Si je suis rentré, je m'étais pris. Je suis à terre, moi. J'ai des armes au sol quand même. Il y a une touche cassante de la colline. Mets un point s'il te plaît. Je suis pas. On y va avec notre LAD.
avec la Lada. Bonne équipe, et continuez, bonne équipe. Ah, c'est plein or. Colline plein or. J'ai pas de douche-ca, j'ai pas d'outil sur la douche-ca. Qu'est-ce que t'as foutu? Ça s'appelle des tirs de sommation. Ah, Alfie est mort. Je mets une morphine. Si quelqu'un sait mettre petite bandage pour moi. Mais t'as pas de bandage? Bah, non. Oh putain, les gars, j'ai demandé en plus si vous aviez un. Et il faut qu'on aille derrière, hein, aider. Hein. Bah, on va y aller à pied, hein. On va à pied. Marek, on fait quoi la deuxième patrouille pick-up vu qu'on a aidé les premiers? Ah, ouais, on se fait tirer dessus là, gars. Plein, plein sud. Du côté de TP15. Rien du tout. En gros, Mickaël, dès que vous pouvez essayer d'aller aider l'équipe sur la colline. Mais on peut pas, on se fait asmoiter, personne nous aide. Ici, nous fait, on est bloqué, on peut se faire asmoiter. Vous inquiétez pas. Direction de votre tir. Je sais pas, c'est où. Y'a les hommes, ils sont comme des petits pas ici. Hein. Ah, ça nous tire dessus du côté de TP15. Sur balise Mickaël, faut que l'on se fasse pas de fou là. La station service a pété. T'as un visuel? Non, négatif, c'est là-bas, devant moi là-bas, tu vois la chapelle? Y'a un véhicule. On va sécuriser le convoi, messieurs. On a laissé un pick-up à nous et j'ai deux collègues dans le gouvernement. Mickaël, on se place et on arrive. Y'a un hélico ennemi? Je suis le dernier survivant sur ma zone. Hélico milice. D'autres véhicules, hélicoptère vient de tomber, oui. Je suis le seul survivant sur zone là. Et on bouge un peu, non? Ouais, on va prendre le véhicule, c'est un peu. Vas-y, j'essaie de tirer, tu conduis. TP14, je sais pas d'où, mais... Mickaël, viens dans le trailer. Mets-toi en sécu, dans le trailer. Essaye d'attraper ceux qui sont avec le véhicule. Attends, la position du courant. Il manque qui, là? Il manque... Adam, non? Si, il y a pensé. T'as sa position ou quoi, là? Non. D'accord, attends, il faut que tu continues là, on est un peu à l'écart de tout là. Non mais on peut pas monter par la colline sans aussi de l'autre côté là. J'arrive vers le BTR. Marek, maison 65 là, shoot dedans, à fond. Y'a un mec à la fenêtre. Va faire. On est là-bas. On va chasser ceux qu'il y a au niveau de la chapelle. Si, d'accord. Et après on va remonter sur le reste. Essaye de te faire discret. Hein. Tu parles de celle-là? Tu ralentis quand on commence à voir la chapelle. Hein. Les camions ont bougé, près du BTR, c'est un peu les camions, ouais. Tu peux reculer le BTR que je monte? Pas trop loin, mais si on sait jamais, il y a peut-être une embuscade plus loin, mais on sort le BTR. Plus, faudrait qu'ils soient cachés dans les fougères pour qu'ils. Attends, on sait que je suis. Recule un peu.
Ah, la plaine fougère. Pleine fougère là. Ah, je suis touché. Pleine fougère, ça veut dire que tu dois avancer un peu, s'il te plaît, si tu sais. D'accord, ok. Voiture rouge au niveau des camions. Je vois personne. Ok, on va y aller doucement, on va y aller sur la colline en face, maintenant que vous voyez la maison. Ah, au pire, raccroche aux autres. Hein. Mais on peut pas soutenir les autres si on n'a pas assez de bonnes. Je pète les roues et on y va. Oh, regarde devant toi. Je pète les roues et on continue. Ouais, récupère la grenade incendiaire que je t'ai mis à l'intérieur. Situation, Marek. Ça t'aidera. D'accord, tu veux que je lance dessus? Je suis pas sûr que ça marche. Ouais, affirme. Attention, doucement. T'as rien dedans, non? Non, je fais péter ou pas? Ouais, vas-y, fais péter. Attends deux secondes, il faut que je me mette dans le sens. Vas-y, fais comme si tu partais. Bon, je pense que c'est juste à côté. Tu l'as mis à côté? Il va jouer les capteurs avec le C'est de l'air ou quoi? Ok, vous rassemblez sur les camions et puis dès que vous êtes tous ensemble, on repart. Les camions, vous allez bien ou pas? Ouais, dans la maison, et il y avait une petite cabane juste à côté, il y avait aussi du monde. Vas-y, d'accord. Ils sont où les camions, général? Vas-y. On est devant sur la route. Ils étaient vers toi, Michael. Ok, j'ai besoin d'un tireur dans ma douche-car. Je crois que ça se replie, Hein. SUV, si vous pouvez vous mettre dans cette direction-là. Vas-y, avance, hein, fais quelque chose. Excuse-moi, je croyais que tu regardais la colline. Si, il regarde, mais je vois rien. Si je vois, je te dis. Hein. Attention, fais attention. Ah bah oui, il te voit pas. Attends, arrête devant. Attends. Recule un peu et en tournant vers la droite un peu. Putain. Ah, ça va, c'est du gouvernement. C'est bon. Je suis rentré en BTR parce que j'ai pris cher. Ouais, pas de soucis. Hein. Attention devant toi. Non mais t'inquiète, j'ai vu. C'est dans la maison en face. On est complètement encerclé, hein, c'est mort en fait. Ouais bah faut partir. Gouvernement inter. Mec, écoutez, le trader monte. Qu'est-ce qu'il fout alors? Il s'arrache? Arkia, je pense qu'il faut bouger, on va se faire allumer là. Moi je sors pas du véhicule. Y'a Guren qui. Vas-y, rejoins les deux Touchka là-bas. Et au milieu à droite. On a monsieur Ousmanov qui est à terre, je crois. Au milieu à droite. Tu parles de Jupiter? Ouais, à droite. Non, je suis là. Ok. Messieurs, au niveau de la Lincoln et du convoi du véhicule gouvernemental, y'a deux ennemis. Ah, c'est derrière ça, non? C'est qui le pick-up, vous arrachez sur les camions directement. Vas-y, arrache vers le camion. Ah, j'ai une douche cam, mais je suis tout seul, je sers à rien. Le gouvernement a encore poussé là-bas? Si. T'es vivant, Strider? Non, c'est là-bas derrière, je vois d'ici, ouais. C'est plus loin sur la route.
vois où je vise. C'est par là. Ouais, ouais. Ok. Sauf que là, je suis dans un axe et je saurais pas tirer. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs, la bordel, nous on est encerclés, hein. Strider et Better, on va y aller. Les autres, vous continuez à avancer. Mickaël, tu t'occupes de faire l'avancée du gouvernement. Better, venez sur Strider, là. Il faut qu'on répare la roue. Alors, les camions, faut avancer là. Derrière. Ah si, sur le terrain quoi. Et nous il faut qu'on avance avec les deux camions. Ouais. On a perdu le collègue. Tu regardes bien devant, je regarde bien derrière, ça va? Ouais, ça va. Ne les quitte pas trop. Hein. On fait avancer le convoi plus long peu ou on s'arrête quelque part? Sloan, je suis trop en galère là, sur ce rider. Avance-moi jusqu'au rond d'or diamant. Reçu, je vais essayer. À ma gauche. Vas-y, fais demi-tour, nous on est la truc rapide. Couvre-moi, hein, je le soigne. C'est quoi qui dire là, c'est à nous, c'est à radio, toi, non? Si, radio. Ah, tu n'as pas radio? Quoi, la radio? D'accord, en fait, derrière, là, il y en a qui est en train de soigner. Donc, je veux une couverture à fond, je suis en train de soigner. Deux allers-retours devant derrière, tu vois. T'as pas de radio? La radio, c'est la longue, c'est ça? Ouais, longue et courte, je sais pas, j'ai mis les deux. Ok, mais la courte, c'est celle. La c'est canal, c'est, canal 1. Avance pas, tu me découvres. Ne bouge pas avec le BTR surtout. Ah, je vais faire ça vite fait, comme ça j'ai la radio en même temps, sinon je vais rien comprendre. Grouille. On va au niveau du traitement de pierre. Allez! Voilà, t'es dans un voyage qui avance pas là. BTR, vous allez bien? Ouais. Affirmatif. Faut récupérer Neza qui est l'autre là, mais j'arrive pas. Mettez-vous bien qu'on soit protégé, il me faut un bouclier là pour les récupérer les deux. Mets-toi un qui est pas d'angle. Les balles, elles viennent principalement du sud-est, là. Ralentis, va en même temps que... C'est le meilleur qu'on peut faire, là, pour les deux couvertures. Vas-y, fonce dans la ville pour voir. Reste là. Mets ton pick-up prêt à partir. Oh yeah, si, attends. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord, vas-y, fonce. Rotopoli, n'avancez pas les camions, Incendiaire. Je répète, les camions n'avancent pas dans Rotopoli, il y a deux incendiaires. Les camions n'avancez pas dans Rotopoli, il y a deux incendiaires. Vas-y, fonce, hein, toi, nous on doit foncer. Hein. Ok, le combat va se faire. Sécuriser la zone, il faut pas qu'on soit derrière. J'essaie de récupérer les Nezak, mais je galère. Non, d'accord, mais il faut quand même qu'on regarde. Hein. On a deux trucs énormes là. Qu'est-ce que. Oi. L'équipe pick-up, on sort pour regarder Rodopoli. Hein.
c'est ma cachette, je veux pas du QG du bot pour le. Il n'y a rien vu. Ok, visuel en face, là, juste en face de moi là. Un collègue en face de moi là. Le bras, vous êtes encore debout? Est-ce qu'on est passé sur la tête de ce coup ou on est juste. Qu'est-ce qu'il y a en face de toi? Direction nord, plein nord là, il y a une maison avec quelqu'un à l'intérieur avec une grosse arme, il y a sûrement une AK. Le pick-up c'est à nous? Négatif. Dès que ça se met à découvrir, on va faire un tour. C'est celle juste en face où il y a un balcon? Ouais, c'est ça, ouais. Normalement, il y a un mec pas loin non plus qui a dû lancer l'incendiaire, donc. Sûrement pas tout seul. Si, je vais regarder. Avance un peu dans la ville. RK? Aux deux camions ne bougeaient surtout pas, hein. Village de Poli, y a des. Occupé, hein. C'est des gens. Essayez de vous mettre sur la colline vers la petite chapelle de DP 15, je crois, 113. Mets-toi sur l'arrière du véhicule. Le problème, c'est que j'arrive pas à choper le. Comment dire, la poignée. Ouais, c'est bon, il est dans le BTR. Madame Vedel, pouvez-vous localiser la provenance des tuyaux sur votre position? Madame Vedel, vous êtes sur quelle ligne sur le CP? C'est ça, ce bordel. Quel partout, général? Nulle part, je voulais voir s'il y avait un mec assez proche pour qu'il puisse ses bandages. On s'en fout du Strider monte, on va vite aider Monsieur le Président. C'est surtout pour être sûr qu'il soit pas, qu'on n'ait pas monté les deux dans le Strider. Ça les appelle dans le Strider. Monsieur le Président, on arrive. Gonzalez, on est où là? Je suis dans la ville de Rodopoli. On a vu deux personnes, mais on les trouve plus. Ils étaient dans la maison à la fin de Rodopoli. Ils ont sûrement des complices qui ont envoyé deux incendiaires. Venez sur nous. J'arrive. Montez, c'est maintenant. Je pense qu'il faudrait essayer de prendre le chemin de terre, hein, à côté, hein. Okay, pique par nous, je pense, pas, ça vient de passer, hein. Non, on va faire des. Non, c'est un gars en bouche jumelle. Ah, d'accord. Pourquoi? Il y en a un derrière la maison, là, en ruine. Où c'est? Essaye de mettre le point sur carte, hein. Sur DP13.
reste pour l'instant sur Rodopoli, hein, mais... Ok, ouais, là, j'en ai un aussi, j'en ai ça plus. Reste, ça reste tendu, hein. Marek, t'es toujours en vie? La ferme. On fait quoi? On avance le convoi ou pas? Ouais, continue d'avancer. Hein. Allez, Xavier, remontez dans vos pick-up. Véhicule rouge, un pick-up qui est en train de passer dans Rodopoli, hein. Allez là, monsieur, vous dégagez sur le champ, faites demi-tour, c'est partez, changez, ne passez pas par ici. Si vous voulez ne pas être détruit, faites demi-tour, hein. Changez de chemin. D'accord, en fait on venait juste voir le convoi parce qu'on n'a pas vu après. Oui, mais justement, on vous dit de s'éloigner très très vite, sinon ça va tirer. Hein. Bah, allez hop hop hop. Denison, tu me reçois? Denison? Y'a un problème, je t'entends pas. Almaric? Ouais. Essaye de reprendre pick-up pour me reprendre sur route Rodopoli. Ouais, ça va, attends, je souris toujours la fenêtre parce que j'ai vu le mec dans la... Ouais, je suis là, tu me ressens? Ouais, je te ressens, ouais. Tu peux venir dans ma douche-là sinon? Je vais venir te chercher, c'est bon. Je vais chercher le gouvernement. Ça marche. Tu me récupères sur l'emplacement. Je suis en douche K et je suis en train de... Pour le convoi, voilà. Quand vous sortez de Rodopoli, attendez-nous, on arrive avec le pick-up. Hein. À la sortie, hein, bien entendu. C'est bon. Les mecs ont de chier dessus, hein. Équipe pick-up en route. Reprise du convoi. Reprise du convoi. Putain, je me retaille. Je suis tombé. De où? Il est en face dans la maison, mais je sais pas comment je suis mort. Ne va pas si vite, Fais tirer dessus, camion. D'accord, il y a un camion qui se fait tirer dessus. Vas-y, fais demi-tour. Continue à avancer, équipe pick-up. Oui, ça venait de la gauche. Continue à avancer. Gauche, c'est quoi? C'est sud, ouest, ça met pas à gauche. On continue à avancer. C'est ouest. Ouest, reçu. Ralenti, va pas si vite. Le gouvernement est pas très bien. Madame Vedran, je suis avec vous pouvez vous défaire, bon. Tu regardes bien devant, je regarde bien derrière. Tu me dis quand je dépasse le convoi. Hein. Convoi, ok. Affirmatif. D'accord. Là, c'est bon, ralentis un peu, on se pose deux minutes. Je vérifie. On va faire un tour derrière l'église, voir si c'est pas du pick-up caché ou quoi. D'accord, et après tu sprints pour aller sur la colline là devant. Sur la colline? Non, à droite. Juste pour le traitement de diamant. Ouais, ça va. Ok, regarde. C'est bon, fonce. Tu pourrais juste me faire le bandage? J'ai pas de bandage, si t'en mets dans le véhicule, si. Ah, c'est bon, il y en a dans le véhicule. Je t'en ai mis dans le véhicule, non, tout à l'heure? Ah, oui, si, c'est bon.
prochain point dangereux, c'est le virage. Si. Alors je demande au convoi de ralentir le temps qu'on se poste dans la ville, hein. D'accord. Oui, monsieur. Il y a trois avions qui survolent la zone, hein. Ouais, c'est pas grave. Goran, recolle sur nous aussi. Non, fonce dans un point au-dessus. Essaye toujours de trouver un point qui est au-dessus. Ouais, je regardais vite fait le bâtiment. Si. On est d'accord qu'on passe pas dans la ville. On passe pas dans la ville, hein, Xavier. Oui, d'accord, mais je vérifie. Je place sur la colline et... Oui, c'est ce qu'on fait. Ok, c'est bon, reprise du convoi. Regarde au niveau des moulins. La première vue RS. Ok, tourne un peu vers la droite, s'il te plaît. Voilà, stop. C'est bon. On reste comme ça, on attend. C'est plus le virage qui m'inquiétait. Hein. Jusqu'à maintenant, tout va bien. D'accord, fonce, tu devances dans le tournant, pour le prochain tournant. Ralentissez, ne vous stoppez pas, mais ralentissez le temps qu'on fasse le prochain tournant. Poste-toi là, au milieu du tournant. Mets-toi sur le côté gauche. Il y a la barrière à côté gauche. Ouais, non, mais c'est parce que quand tu te mets de côté droit, ça coupe pas mal de trucs, en fait. C'est pas grave. En fait, il faut que tu essaies toujours de te mettre perpendiculaire à la route, sinon je sais. Il faut que je change entre mettre debout et mettre assis. Vas-y, laisse-le passer, attends 150 mètres. On est où, on est là. Voilà, prochain tournant. On va arriver à la dernière ligne droite, je pense qu'on va accélérer. Si, attendez pour le tournant à chaque fois. Station d'essence qui a pété. Voilà, mettez-la à droite, à gauche. Ça fait un truc de. Ça m'étonnerait qu'on soit pas attaqué. C'est passé. Alors, ce qu'il faut, c'est que t'attendes dans les tournants pour se poster. Ouais, si tu veux, mais là c'est dégagé en car. Ouais, non, c'est sûr, t'inquiète. Voilà, on accélère qu'on va. Permission de tirer sur les avions s'ils repassent au-dessus de nous. Non, c'est juste des avions. Oh, ouais, mais c'est des avions, ils sont pas armés. Peut-être des avions espions. Hein. Ouais, peut-être. Mais je pense plutôt que c'est SP Cooler Line. Bah ouais, s'ils repassent au pire, tu mets quelques secondes. Attends, perpendiculaire sur côté route, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Alors, statut du convoi, on vient de passer la banque fédérale. Hein. Attends, il y a un pick-up là un peu plus loin aussi. Hein. Vas-y, avance, sprint là. Et quelle fois vous êtes arrivé à la ville, vous vous mettez sur les toits et vous vous préparez à subir un autre assaut fédéral. Ouais, c'est aussi marrant. Là, attends, là sur le côté droit, perpendiculaire comme d'hab. Ah oui. Si j'ai le temps de faire la marche arrière. Le côté droit, c'est l'autre côté droit, mais c'est pas grave. Ouais, je sais, mais je voulais faire la marche arrière. Ouais, t'inquiète. Trop de vitesse. Faudrait que tu apprennes à savoir gérer le frein main pour faire des dérapages. Ouais. Ah, si. Les camions, on les fait rentrer dans Zup. Vas-y, mets-toi à côté d'eux pour regarder. Fais semblant. On se met à l'intérieur de Zup ou pas? Je sais pas. Ouais, on fait rentrer dans la Zup, ouais. D'accord, merci. Si on peut faire rentrer le camion, ouais. Pardon, c'est le plus safe. On les fait rentrer, c'est plus safe. Si on les laisse devant, ils sont ouverts, les gens ils vont se servir. Donc là, on est en train d'entrer dans le domaine.
Je sais pas s'ils rentrent dans la ZIP en fait, les câbles. Oui, ça rentre, ça rentre. Ça rentre, ok. Tu mets le pick-up, mets le pick-up face contre la route. Attends, ouais, comme ça le capot vers la route et tu le mets à l'entrée, comme ça ça bloque. On reste en dehors de la ZIP, le pick-up. C'est ce que tu veux dire. Non, on va essayer de bloquer l'entrée en mettant le pick-up de devant sinon. Et on va se mettre sur les doigts, hein, comme prévu. Ouais. Voilà, très bien. Chez moi. Ah, t'as pas des trucs arrondis plutôt, non? Dans véhicule, attention, retire-toi. Ok, tu restes. Tu visualises tout le trafic qui ouais, est ici. D'accord. Et moi je vais voir sur le truc, hein, au-dessus. Bonjour. Personne à l'intérieur de ZUP qui répondait pas, hein. J'ai menotté. Hein. Ah, ok. Mais je crois que c'est un employé vu sa tenue. Je vais pas les menotter. C'est pas vrai. Xavier, c'est encore la guerre sur ma position, je suis à terre. Sérieux? Nous, c'est bon, on est à la ZUP donc. Situation, les deux camions sont à l'intérieur de ZUP. On assure la sécurité, hein. On est sur les toits. Bien reçu. J'ai pas compris. Prévenez-moi dès que vous avez sécurisé la zone et qu'on peut s'extraire. C'est Matt qui est prêt. Parce que ça sert à rien qu'on traîne et qu'on s'amuse à exterminer des rebelles, là. Le but c'est quand même de livrer la marchandise. Là. On fait quoi, pardon? Vous remontez dans la pick-up et vous repartez direction ZUP. D'accord. Le convoi est sécurité, sécurisé, vous repartez avec le maximum d'hommes à nous, bien sûr. Adam, ça marche pour toi aussi. Mais nous ici on reste à la ZUP. Al-Marik. Ça va, aucun mouvement à l'extérieur. On reste à la ZUP ici, nous, j'ai pas compris. Non, c'est ça, on reste à la ZUP, mais du coup, ils sont censés livrer les armes ou je sais pas quoi, et après, on y va. D'accord. Le véhicule orange, il appartient à qui? Bah, il vient de partir. C'est un employé. Ah, d'accord. Wow. Je suis content. C'est qui le patron? C'est la milice. On connaît la zone. On a vu le gouvernement d'en haut.
Y'a un pick-up. Y'a un pick-up qui fait demi-tour au niveau de la jupe. Hein. Le Marek. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as vu le pick-up? Oui, bien sûr, il n'arrête pas de repasser là. Nous avons un pick-up beige qui n'arrête pas de passer devant Zup. Mais il y a une seule personne à l'intérieur, donc c'est pas vraiment une menace. Une ou deux? Une seule. D'accord. C'est pareil, il y a un gars qui nous observe là depuis 5 minutes. Je peux lui faire des tirs de saumon pour qu'il se barre. Où ça? 500 mètres, j'ai mis un point sur la carte. Il est armé? Bah, il a des jumelles, donc je vois pas, mais il a ça a l'air d'être un pélo. Mais... C'est le président qui tire. Ah, il nous observe, hein, je vais tirer à côté. Évite de déclencher la plus facile. Sur toi tout de suite. C'est bon, je vais tirer une balle, je crois qu'il se barre. Je pense qu'ils le savent, mais bon, c'est bien de le répéter. On sait jamais. Non, on sait jamais, on sait jamais. Il préfère le dire deux fois qu'après si des gens n'ont pas entendu dire « Ah, oh, vous dites rien sur les radios et tout. » Concentrez-vous, s'il vous plaît, sur le spot, s'il vous plaît. Allez, tiens, Osman, j'arrive, mon bichon. Lincoln a dit ainsi qu'un SUV là. C'est vos employés? J'adore ça, rien. Oui, je crois que c'est monsieur Fouquier. Ouais. De toute façon, vous fouillez n'importe qui veut rentrer dans la jupe. Ouais, mais les camions sont ouverts quoi, je pense qu'ils piquent des trucs. Vous avez les clés du camion? Moi j'ai les clés d'un camion, ouais. Et l'autre? Je vais voir. Moi j'ai les clés des deux camions s'il faut. Ouais, bah ferme les deux parce que on sait jamais. Ouais, bah c'est bon, je ferme les deux. Bah oui, vous avez pas vu. C'est bon, ils sont fermés. C'est vous qui organisez le convoi? Oui, oui, allez-y, passez. Il s'est passé. Il y a eu du bordel ou quoi? C'est vous le PTR? Ah oui. Ok. Du coup, il est toujours dans le territoire ou il a bougé? Bah, je sais pas, il a encore son pick-up, mais je le vois plus. J'ai mis une balle à côté, je crois qu'il a eu peur.
c'est bien. C'est réglé. Enfin, colle pas trop bon, parce que ça ne va plus d'être. T'as dit quoi, Davidson? On sort dans le grillage, donc on sort le côté au pick-up. Tenez la zone, on arrive dans 3 minutes, mon bichon. Ok. J'irai faire ça après l'opération. Il y en a plusieurs que je vois tenus, de toute façon, c'est... Oui, c'est la situation. Attention! Général? Bon, tous les véhicules sont arrivés à bon port, on en fait quoi du coup? Attends, Alistair, Alitia. Oh, en plus, Alitia! Moi je suis fier. Non mais c'est bien. Franchement, ça a été le bordel quoi. Franchement j'ai cru qu'on avait les camions quand on était tout seul, j'ai cru que c'était fini quoi, qu'on les avait perdus. Et puis j'ai su qui on les avait, je me suis dit ah bah c'est bon, on va les sécuriser ça et puis bah, on a fait petit à petit quoi. Mais franchement, je pensais que ça allait être plus le meurtre. C'est normal ce pneu de bruit de pneu qui se dégonfle là. J'entends ça. Bon, tu sais avec les balles qu'on s'est pris, je pense que c'est un peu normal. La roue et... Voilà, bon, on a réussi à tenir le reste avec. Cyril qui m'a dit c'est encore la guerre sur ma position. Tu m'étonnes. Ah, si on restait là c'était fini hein. Parce qu'on allait perdre des hommes ou soit allait perdre des hommes et sans savoir va lui me décamper quoi. Par l'extrémité droite, il y aura de la place là-bas. Ouais. Oh, là, Marie qui est là. Vous vous contourniez. Et moi, c'est des maths là, j'ai peur de mon calcul. Oh, putain, je suis mort de soif. Chut, attendez-moi, je vais en profiter de l'île. Mais là,
ils surveillent. Il y a peut-être des ennemis qui vont arriver. Oui. Ah non, j'arrive pas, j'ai des plâtres. Ma pile quoi? Oh, c'est vrai? Oh, je savais pas. Ah, attendez. Oh, oh. Ah oui. Ah oui, c'est la pile. Oh, c'est pas bon. Ah, c'est dégueulasse. Mon bichon, hein. T'as très bien sécurisé la zone, mon bichon. Ah, je sais pas, j'ai pas eu un rapport complet de l'opération. Xavier, c'est bon pour toi là ou pas? Si, si, tout va bien. Vous savez, RAS, c'est vous, président, d'accord. C'est lui, je sais plus. Ah, oui, oui, mon TPK. Je suis un des meilleurs sergents que vous ayez dans vos équipes. Sergent professionnel de la fouine à votre rapport. Steph, Stéphane. Pardon. Stéphane. Il fait toujours rire, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as? Ah si, mais je suis tout seul à l'hôpital. Ah ça va, il est pas tout seul. Attention, je pense qu'il y a un ennemi, regardez. Il y a un ennemi. Attendez, je vais... Ah, sortez, sortez. Ah là, c'est bon. Je l'ai neutralisé. Je pense qu'on est sur quelque chose. J'ai neutralisé l'ennemi. Non, vous inquiétez pas, j'ai juste neutralisé l'ennemi. Qu'est-ce qu'il raconte, le papier? Patrouiller, mais c'est bloqué. Il est con, lui. Ah. Papy, ah faut non, mettre ses lunettes, hein, papy. Il va y avoir une guerre mondiale, oui. Ah, regardez, tout est préparé. Mais bon, je suis vivant, mes plaides. Ah, hermano, t'es vivant. Javier. Si, ici. Javier. Ici. Je suis content que tu t'aurais dit où. Ici en haut, lève ta tête! Oh, Javier, coucou! Si ça va, tu vas bien? Ah, si, si, ça va très très bien! Si, j'ai eu peur hein, pour toi! Ah, moi aussi, t'es resté sur le terrain! L'opération se passe comme ça! Oh là 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 là! Je tape sur vous, hein. Il ne faut pas que ce soit un échec! Ce ne sera pas un échec, vous pensez? YMC blanc! Qui passe seulement? Quand il y a un véhicule qui s'arrête pas de chaque fois qu'il y en a un. Aquaredo. Oui. Oui. Bah regardez, j'ai mis en place tous ces hommes, ils sont prêts, ils vont y avoir la guerre. Tu viens de tirer. Mais bon, j'ai déjà neutralisé quelques ennemis, vous inquiétez pas. Eh oui. Ah, devant la jupe. Bon. Ils ont pas volé un seul camion, ils ont juste la jupe.
Un paysan sur le bord de la route qui passe. Oui. Il vous écoutez des fois? Ouais, si. On sait jamais, hein. Il a dit que s'il s'arrête, il faut prévenir. Oui, bah, c'est un monsieur à pied, donc je préviens. César! Ça va, César? T'es bien ici, hein, t'es tranquille. Ah, si, très bien. J'ai même eu le temps de faire petite branlette. Le dire. Oh, t'as vu ça? C'est moi qui ai un petit peu géré la fin, là. Hein. Très content de moi. Hein. Oh. C'est qui tasse, putain? Ah, c'est normal, on a un problème avec un collègue. Et toi, ça va? Tu as eu mal? Si, je me suis fait tirer dessus, hein. Ah, merde! Garde, ma jambe. Attends. Oh, putain de merde! T'as vu? Ah, fais chier! Il va me faire piqûre toutes les minutes, hein. Oui, merde. Après, il m'a dit. Allez, pas dans le garage, vous pourriez voir des choses surprenantes, hein. Si, Jeff. On a été jeté avec Jeffen. Qui? Il était attaqué, hein. On se faisait tirer dessus. Ah merde, d'accord. Attention là, dans ce spectacle. Si. Oui, mais non, mais tu m'as fait rire un moment. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. On est en Lada. On est là, tout se passe bien. Si, ça, je me rappelle pas, hein, que j'ai fait ça. Ah si, moi je te montrerai. Hein. J'ai pris vidéo avec mon Apple, je sais pas quoi. Les deux civils là, ils parlent l'un devant, hein. Tranquillos. On va sans combien de temps ici? Quand Monsieur Ousmanov aura fini. Ok. Ouais, j'arrive. On va attendre qu'on se prenne une autre attaque ou quoi? Non, puis tu prends celui de gauche, je prends celui de droite. D'accord. Putain, je prends celui qui bouge. Les deux personnes à pied se dirigent vers la ZUP, hein, là, vraiment. Hein. Oui, c'est bon, c'est un employé. Ah, d'accord. C'est pas grave, puis vous faites un contrôle à l'entrée, hein, c'est... Il se croit drôle? Si, je sais pas. D'accord. T'as qu'à lui dire, ça s'appelle de la prévention. D'accord. Bon, je te rejoins. Hop, je ne sais qui revient. Ya. Si. Un petit que lui, il va faire le demi-tour, là. Hein. Non, ça va. Attends, je vais aller voir la personne que je laisse en bas. Tu prends le relais, hein, poteau. Comment dit le James? Tu vas me laisser tout seul, la vieille? Ah, petit hermano, je vais aller voir parce que quand je suis rentré dans le bâtiment, il y avait un qui était assis comme ça. Hop, je lui parle, il me répond pas. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris des shots, j'ai fait paf. Il était à terre, je l'ai menotté. Bien joué, la vieille. C'est ce qu'il faut faire, hein. Ah, si, hein. Ici, c'est ce qu'il faut faire, la vieille. Espère aura su, hein. Bon, je vais voir en bas, hein. Regarde, ils sont tout petits. Monsieur, vous pouvez le ramener, hein. Pas le mien. Pourquoi pas dedans, monsieur Sean? Tu m'entends toujours? Si. Oh, c'est bien fait, hein. Ouh. Si, toujours. Ah oui, on toujours. Vient voir. Alors, elle a toujours? Si. Oui. Elle a toujours? Si. Oh. Elle a toujours? Si. Oh. Elle a toujours? Ah, la pluie. Je m'en fous, la douche. Vous pouvez l'emballer, messieurs, merci à tous. Hein. J'allais vous cucher. Bravo à tout le monde. Hermano, oh. tu peux descendre. Ah si, j'arrive. Hasta luego, amigo. Felicidades, todo el mundo. Bravo. Oh,
Si vous savez attendre mi hermano, par favor. Il arrive. Qu'est-ce qu'il faut? Il est bien gol, César, je pense. Bien. C'est qui, c'est hermano? C'est César, c'est ça? Si, oui, César. Ah, normalement, c'est moi sur Twitter. Il est bien, tu devrais bien lui parler. Attendez, attendez. César, tu es où? Allez, il reste une place. Xavier! Allez, descendre. Si. T'es descendu? Si. Les enfants. T'es pas dans le pick-up? Oui. Ah, je quitte le pick-up. Attends, Xavier. Il arrive. Ouais, il a pris le premier que j'ai vu. Ouais, non, non, non. T'inquiète. Je signale quoi? Hey, on a géré, hein. Ouais, on a fini le convoi à deux. Ouais, hey, comme des pros. Non, mais on peut lui tuer deux gars. C'est pas grave, hein. Oh, César! Oh! En fait, je t'explique, j'ai eu un petit problème avec la plantation, avec les yeux. Je pensais que j'avais. Ah, oui, d'accord. Je me suis endormi dans la pelouse et je me suis réveillé, vous étiez plus là. Ah, bah non, ça. Et du coup, bah, je suis pas dormir dans la pelouse. Dans le trailer avec les généraux, ou avec le sergent et le général, et on a eu le temps de tuer des gars et on s'est fait défoncer au RPG. Si, ah ouais. Tu dors pendant qu'il y a fusillade? Ouais, c'est pas très malin, hein. Bon, je vous sais, j'aime bien. La sieste comme ça. Quand je cours, ah bah non, je me couche dehors. Sinon, il faudrait essayer de me menoter en arrivant au commissariat, s'il vous plaît. Au commissariat, au poste de police. Au poste de police. Au poste de milice, si tu veux. Poste de milice. Ah merde. Là, j'ai un petit problème. Jambe droite. Ouf, putain, j'ai eu peur. Il m'a fait peur comme ça deux trois fois, hein. Il fonçait vers un mur et puis hop, au dernier moment, dérapage. Et ça va, hermano? Tu t'es remis de tes émotions, hermano? Ah, si. Oh là là, c'était dur, hein. Ça va, alors? Ah, si, je me suis pris des balles à gauche, à droite, le gouvernement, il faisait beau, parti ici. Si, moi, au tout début, je me suis pris une voiture, mais c'est tout. Ah, d'accord. Une voiture de la milice, hein, si. On a failli te perdre à ce moment-là, ça aurait été très con. Ah oui, c'est sûr. L'hélicoptère qui a... Surtout que c'était moi qui devais filmer, je me suis dit merde. Le mec... Surtout, ils avaient dit, essaye de pas mourir directement, hein. Paf, je me fais écraser par une voiture. Allez. Ah putain, il y a du monde, hein. Très très satisfait. Peut-être qu'on va avoir petite médaille, hein. C'est vrai, je vais demander, moi. Si, t'as raison. J'ai déjà demandé des congés payés à monsieur Duclos, il a pas voulu, hein. Ah merde. Si, j'ai dit... Ah non, parce que c'est pas rentable, hein. Mais je me suis blessé et tout, il a fait pas avoir le congé payé. Il fait un nono, hein, pas de congé payé. Ah merde. Je vais essayer. Je vais raconter que quand j'étais malade et qu'on vendait des melons, c'est que c'était toi qui allais tout seul, hein, vendre ma chair. Ah bah oui, et toi aussi, hein. La même chose. Ah, versement, hein, c'est bien. Toujours, hein. Bien sûr. Hop. Hey. Ah, je peux retirer ce masque à gaz. Hermano, mi hermano. Si. Regarde, quand je retire mon masque à gaz, je parie c'est tout mouillé en dessous, regarde. Hop, c'est tout mouillé, hein. Oh, je touche. Tout mouillé. Oh, c'est dégueulasse. Ah, si. Tout mouillé. Attends, hop. Attends. Je me suis avec ta blouse. Hop. Ça y est. Arrête, oh. Merci. Javier. Si. C'est pas ça, selon moi. Si. Il était où? Il était où, lui, par hasard? Il était où? Oh là, ça a été. La señorita. Ça a été difficile. Si. Si, on a vu, il y avait. Le véhicule gouvernemental, il a fait des sauts dans tous les sens. Oh oui, hein, fou. Oui. Ah, mais en fait, je pense que je vous connais pas, hein, vous. Ah, pardonne, hein, pour cette impolitesse. Hein. Je suis Javier González. Oui, on s'est rencontré hier, je crois. C'était moi, peut-être. Oui, c'était seulement César. J'ai rencontré les deux. Hein. Bon, je sais plus. Moi, je me souviens. Vous ressemblez donc. Ah, c'est vrai, on est frères. Ah, c'est normal. Hein. Oui, mais c'est vrai, ça joue. Bonjour, bonjour. Il y en a un plus barbu que l'autre et un autre plus barbu que l'autre. Eh oui. Oui, vous ressemblez pas du tout. C'est pas grave. On vous laisse le bénéfice du doute. Ouais, on va dire ça, ouais. Vous avez reçu petite carte, hein. Petite carte.
Oui, pas le même nom. Oui, ça maintenant. Au-dessus, la vieille. Ouais. Oui, mais c'est derrière. Je me suis lavé. Ok, je disais, voilà, comme ça on est sûr de s'être rencontrés maintenant. Oui, oui, on est sûr, oui, très bien. Certain, même, oui, oui, oui. Et vous, vous êtes mademoiselle comment, ou madame? Arkevedren. Ah, vous, oh, d'accord. Ah oui. Conseillère gouvernementale. Bah, tu vas très bien à poil. Vous êtes à poil. Autre chose que nous, hein, ça. Ah oui, ça c'est sûr. Bien. Oui, mais notre tâche est sensiblement la même, hein, sauf que ce sont à des échelles différentes. Oui. C'est vrai. Si, c'est vrai. Moi, je suis c'est conseiller de mon frère, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est vrai. Ah, ça, bien sûr. Vive Ducreux. Aïe, 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 je suis satisfait de cette opération. Courage. Merci, réussite. Allez, félicitations. Merci, merci, merci. Merci. Mais si, coup, merci. J'ai l'accord de monsieur Ousmane. Va voir le général pour la médaille. Ah, si, vas-y, viens. Je suis pas un oui, général. Pas, attends deux secondes, on va parler de médaille. Voilà, Javier et moi, on aurait peut-être réfléchi pour une petite médaille. Hein. Non. Dans notre tronche, une médaille, non, il a dit non. Il a dit non. Peut-être. Ah, c'est pourquoi on voulait une médaille. C'est pour faire joli, pour nous féliciter. Pour museler dans notre pays. Si. Nous on va revenir au pays. Petite médaille d'Altis et tout. Pour si bravoure. Il sera les pieds devant uniquement. Ouais. Il faut demander à qui? L'Altis, ça serait un peuple rentré au pays. Ah. C'est aussi la milice, c'est la vie maintenant. Non, moi je suis pour la milice. Hein. Ah, si, Creux, si, hein. Moi aussi, bien sûr. Vive Ducreux. Yeah. Vive les mêmes, oui. On peut pas de petite médaille alors. Bon, c'est pas grave. Un peu, oui. Coupe c'est alors. Pour une prochaine. Petite coupe, oui. Vous serez mort. Alors une. Oui, c'est ça. En général, vous savez pas comment on médaille du Creux. Oui. Ah, si. Mais ça me t'a pas encore vu faire 50 pompes. Ma jambe droite, c'est bien. Je ne t'ai pas encore vu faire 50 pompes, c'est ça. C'était meilleur, j'ai fait des pompes, tu m'as dit après, il faut pas en faire. Ah si, oui, parce que... Et en plus, on va faire pour toucher le bonnet. Avant de s'endormir, hier, eh ben, j'ai vu, il a dit, je fais des pompes, il en a fait 53. Qu'est-ce que... Pas encore. Un poutou. J'ai fait un poutou également. Donc la médaille, il a dit quoi? Ah, pardon, oui. Un poutou, parce que... Oui, Javier. Javier. Moi aussi. Merci beaucoup, Javier. 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 Non, pas Javier. 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 Il faut que ça roule. Javier. Rouille. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi t'as clashé? Il vient de te clasher. Ah, oui. Oh merde. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est dégueulasse. Hein. Bon, allez, messieurs, on va faire un dispatch. Si, une jolie ligne. Je suis désolé, mais... J'ai vu que vous étiez dans un cercle de personnes qui enquêtaient. Pas mon question, bordel. Ouais. En ligne, en ligne. On a dit en ligne, messieurs. Allez. Ah, putain, contre le mieux. Monsieur Bush, je suis Mackenzie. C'est Michel. C'est Mackenzie. Mets-toi, Mackenzie. Ouais. Je vais prendre la fin de ta vie. Je me suis fait sécuriser la zone ce soir, je te félicite. Ah, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir en venant de vous. Hein. Surtout petit message, surtout en privé, ça faisait ouf. C'est bien, mon bichon. T'as reçu une médaille? Non, pas médaille, enfin, peut-être, je crois pas. Moi, t'as fait un truc rigolo, c'est pas médaille. Tu crois que je suis distributeur de médailles? Mais il a dit bichon, donc pour moi, c'est petite médaille. Oui, bonjour, je me présente. Allez, au revoir. Hein. Bonne soirée. Hein. Bien, hermano, tu prends ta fin de service maintenant? Oui. D'accord, tu viens repartir tous les deux comme ça. Si, je prends fin de service. Allez. Hasta luego, tout le monde. Adios. Viens, il faut qu'on parte. Viens. C'est très joli. Hein. Bon, arrête les conneries. Tu viens? Que joli, la señorita. Bien, hein. Allez, César. Hop, on y va. Regarde ce que j'ai acheté pour pouvoir rentrer chez nous. Tu vas voir, c'est génial. Génial. Il n'y a pas un véhicule ici, hein. Ah si, hein. Mais nous, on va y aller. Oui, mais justement, on va y aller. Hop. Qu'est-ce qu'il a fait? Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Vous écoutez les deux? Ben maintenant, oui.
vous a demandé de vous mettre en ligne. Et nous, on prend la fin de service, on rentre chez nous. Faire fin de service, général a dit vous pouvez y aller. Au revoir. Bonne nuit, messieurs. Ça m'a fait mal aux oreilles, merci, au revoir. Vive du creux. Vive du creux. Ouais, j'ai mal aux oreilles. Sors pas de véhicule, après ils vont croire encore qu'on va quelque part d'autre. Mais non, hein, je sors petit, voilà. Mais si, viens, on rentre chez nous, allez. Ils vont dire qu'on parle quelque part, hein. Bah on rentre chez nous. Mais on doit mettre le matériel à la place. Allez, chez nous, hein. Allez. Hop. Clic, clac, clic, clac, clic, clac.